Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète Abdias et puis je crois que c'est notre numéro 5. Oui, la cinquième vidéo. Euh, premièrement, on, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deux dernières vidéos, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont regardé ce qui est un, un encouragement naturellement pour moi. Alors, je continue la série, tout simplement. Et puis, si vous vous rappelez, on a terminé avec la pensée, voici, euh, « Le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Hein? » Ça, c'est dans Malachie 1, verset 4. Alors, il y a un peuple. Hein? C'est ça ce que j'essaie de démontrer dans Abdias, il y a un peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. C'est sûr qu'il y a plusieurs peuples sur lesquels l'Éternel est indigné, mais il y a un peuple qui devient, pour ainsi dire, la, la pierre de fond pour démontrer euh, comment les peuples étaient, étaient méchants. Mais il y en a un qui les a dépassés, complètement dépassés. Puis c'est un des seuls peuples qui va être une désolation, une désolation éternelle. Dans l'autre mot, il n'y aura jamais, jamais d'individus qui vont sortir de ce peuple-là. L'Éternel est indigné à toujours contre cette génération-là. Alors, si vous permettez, maintenant, on va commencer. Et puis, voilà ici. Le parcours des ahus. Okay, c'est ça qu'on. Esaü, c'est Edom. Ça, c'est hein, à peine d'aller voir dans Ézéchiel 36. Là, vous, allez, vous allez comprendre ceci. Euh, moi, ce que je veux faire ici, je vais aller chercher mon pointer ici, là, parce que je vais en avoir besoin. Euh, highlighter. OK. OK, alors, le parcours, on va, on va voir aujourd'hui la vie. La vie d'Esaü. OK? La vie d'Esaü. C'est important de voir sa vue. C'est important de voir toute sa vie. Okay? Parce qu'il a fait des choix dans sa vie. Il a fait des choix dans sa vie. Malgré que l'Éternel essayait de l'attirer vers lui, il a fait des choix, des mauvais choix, pour ainsi dire. Alors, avant la naissance, avant même que qu'Ésaü soit né, Ésaü hein? puis Jacob, c'est des jumeaux, il y a eu ce qu'on appelle l'élection de Dieu. Maintenant, je ne veux pas discourir plus qu'il faut sur l'élection de Dieu, mais je pense qu'il faut que j'en parle un peu, hein, un petit peu. Alors voici, Romains 9, verset 10. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un Isaac notre père. Alors Rebecca et Isaac ont eu des jumeaux. Okay? Ils ont eu des jumeaux. Genèse 25, verset 2. Alors Rebecca, lorsqu'elle était, lorsqu'elle sentait les pieds, elle avait quatre pieds qui, qui donnaient des coups de pied dans son ventre, pour ainsi dire. Alors voici, elle est allée voir l'Éternel, et puis l'Éternel lui dit "Ben, les enfants s'entrepoussaient dans son sein." Et elle dit "S'il en est ainsi, pourquoi suis-je là Et elle alla consulter l'Éternel. Okay. est allée voir Dieu pour lui demander ce qui se passe. Puis, et l'Éternel lui dit, Genèse 25, verset 23, l'Éternel lui dit, deux nations, notre mot deux enfants, deux nations, seront dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Alors, le plus grand, c'est celui qui est né le premier. Puis, celui qui est né le premier, c'est Ésaü. Alors le plus grand deviendra serviteur du plus petit. Plus petit, c'est Jacob qui est né le deuxième. On se rappelle, Jacob, il tenait le talon de son frère Ésaïe. Hein? Alors voici ce que Dieu donne comme réponse. Voici ce que Romain nous dit là-dessus. Romain 9, verset 11. Car avant que les enfants fussent nés, okay? ils sont encore dans le ventre de leur mère, dans le ventre de Rebecca, avant que les enfants fussent nés et qu'ils n'eussent rien fait de bon, rien fait de bon, puis ils n'ont rien fait de mauvais. Okay? Donc, il n'y a eu aucune activité de leur part, pour ainsi dire. Ils ne sont même pas encore nés. Okay? Alors, avant qu'ils n'eussent rien fait de bon et de mauvais, afin que le propos de Dieu, selon l'élection, demeura, non point sur le principe des œuvres, mais sur celui qui appelle. Le principe des œuvres, c'est tu fais quelque chose. Okay? Maintenant, c'est le principe, c'est que c'est Dieu qui appelle. C'est l'élection de Dieu. Dieu est souverain. Dieu choisit. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre l'élection de Dieu. Puis on ne peut pas questionner l'élection de Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste. Okay? Lorsqu'on questionne l'élection de Dieu, on dit que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu, Dieu connaît tout, c'est tout. Puis, l'élection de Dieu, elle est toujours parfaite. Okay? Elle est toujours parfaite. Aucune injustice. Okay? Il n'y a pas aucune... Parce que les gens disaient, il y a, il y a de l'injustice dans l'élection. Il n'y en a pas. C'est le libre choix, le souverain libre choix de Dieu. Dieu est infini. Nous, on est fini, pour ainsi dire. Et puis, on ne peut pas comprendre l'infini. Hein? Si vous comprenez... Si vous êtes capable de m'expliquer la Trinité, je vais être capable de vous expliquer l'élection. Hein? Mais ça nous dépasse, ça nous dépasse, ok? Ça nous dépasse vraiment, mais il y a une explication. Romains 9, verset 14. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice de Dieu qu'ainsi n'advienne? Hein? » Alors, alors qu'ainsi n'advienne, c'est important, là, il n'y a pas d'injustice de Dieu. Qu'ainsi n'advienne, non, non avant qu'ils n'eussent rien fait de bon et de mauvais, hein? avant qu'il n'y ait... Dieu a choisi, Dieu a choisi Jacob, le plus jeune, pour ainsi dire. Même avant que le caractère fût formé, il était même pas né, avant qu'il ait fait du bien et du mal, même le caractère n'était pas encore formé. Mais dans ce qui va suivre, dans le parcours d'Ésaü, on va voir son caractère. On va voir son caractère. Mais Dieu a choisi avant même qu'il n'y ait aucune action, avant même que l'enfant soit né. Dieu avait choisi Jean-Claude. Afin que le propos de Dieu, selon l'élection, demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Celui qui appelle, c'est Dieu. Souverainement, Dieu choisit. C'est sa préscience, sa préconnaissance, pour ainsi dire. <coughs> Maintenant, je m'en viens ici là, à mes deux voies ferrées. Ceux qui ont suivi, euh, ceux qui m'ont suivi depuis quelque temps, vous allez voir ce message souvent de deux voies ferrées qui sont parallèles, puis jamais ils se croisent. Okay? Okay? Alors que ce soit le peuple terrestre, une, si, si on parle du peuple terrestre, on parle d'Israël, c'est une voie ferrée unique. Si on parle de l'Assemblée, de l'Église, c'est une autre voie unique, okay? Il ne se croisera jamais. Il faut faire la distinction entre les deux. C'est deux lignes complètement différentes. Alors, j'espère que vous allez me suivre ici sur l'élection puis le choix. Okay? Parce que les gens me disent Oui, tu as l'élection, mais tu as aussi le choix. Regardez bien ceci. Quelqu'un peut-il comprendre l'élection? OK? Quelqu'un. Maintenant, on va, les gens vont toujours apporter avec l'élection le libre choix. Oui, mais le libre choix. Bien, voici ce qui se passe. J'avais une voie ferrée. Ça, c'est l'élection. OK? Ce chemin-là, il là, s'en va, puis il garde son trajet. OK? Il ne change pas. Hein? Et puis, de l'autre côté, tu as le libre choix. OK? Lorsque l'enfant, lorsque, lorsque Esaü est, est né il y avait le libre-choix, ok? Mais, ils vont tout le temps parallèles, ces deux-là. Ils se croiseront jamais. Alors, tu ne peux pas parler de l'élection sans parler du libre-choix. Ok? Chacun a son, il a son trajet, pour ainsi dire. Regardez ici. L'élection s'en va, là. Puis, le libre-choix s'en va. Les deux sont un côté de l'autre, ok? Mais, ils ne s'entrecroisent pas. Il faut prendre les deux ensemble. On ne peut pas juste prendre l'élection puis parler. Non, les deux sont ensemble. Et puis... C'est Dieu choisi avant même que les enfants fassent le bien et le mal. Dieu a choisi. Mais de l'autre côté, tu as, la, as la lignée du libre choix qui s'en vient. Hein? Puis on va voir dans la vie euh, d'Esaü que ces choix, il les a faits. Fait. Mais Dieu connaissait d'avance. L'élection était choisie pour Jacob. Hein? Suivons le trajet du libre choix. C'est ça maintenant. Là, je m'en viens avec Ésaü. Le premier-né, Ésaü, dédaigne le privilège du droit d'Aïnes. Une des premières choses que Esaïe a fait, c'est qu'il a dédaigné le droit d'Aïnes. Maintenant, le droit d'Aïnes, il faut comprendre, c'est le plus vieux, OK? Mais au plus vieux, de, Dieu a prévu dans la loi de donner une double portion au plus vieux. Une double portion, OK? Il est privilégié parce qu'il a une double portion. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a une double portion? Bien, c'est assez simple, je pense. Est... Dieu est merveilleux. Regardez. Si les parents meurent, c'est le premier-né qui prend soin de la famille. On connaît ça souvent dans les familles. Hein, le... Il, y a des... Il y a des frères et des sœurs, c'était les premiers-nés. Puis quand les parents sont partis, ils se sont occupés de la famille. Mais Dieu a pensé ceci d'avance. Hein. Dieu a dit le premier-né va. Toujours avoir la double bénédiction. Comme ça, il ne manquera pas de fonds. Il ne manquera pas d'argent. Okay? Il, va, il va avoir le double. De cette façon-là, il va pourvoir à la famille. Okay? Alors, c'est comme ça que Dieu a pensé. C'est comme ça que Dieu a pensé. Mais Esaü, lui, se foutait. Esaü, lui, pour une soupe aux lentilles, en plus. <laughs> hey. Alors, il a vendu ce privilège-là. Donc, il n'y avait aucune, aucun intérêt. La bénédiction que Dieu voulait donner. Il méprisait, il méprisait euh, la bénédiction que Dieu offrait. C'est pour ça qu'il est appelé, on va voir dans l'hébreu, il est appelé profane. Okay? Il est appelé profane. Je continue. Genèse 25, 33. Et Jacob dit Jure-moi aujourd'hui, et lui Jura, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Tu vois, il vend son droit d'aînesse à Jacob. Ça y a-tu coûté cher? Est-ce que Jacob a payé cher? <coughs> Regardez, Genèse 25, 34. Et Jacob donna à Esaü du pain et du, et du potage de lentilles. Et il mangea et but, et se leva et s'en alla. Puis a vendu son droit d'aînesse. Et Esaü méprisa le droit d'aînesse. Ça, c'est une des actions maintenant. OK? Il méprisa le droit d'aînesse. On voit que son caractère est en train de se former. Là, OK? Mais. Dans l'élection de Dieu, il n'y avait aucun caractère qui se formait. C'est des choix qu'il fait, c'est des choix qu'il fait ici. Là. Il a décidé une soupe, c'est un meilleur qu'un droit de naissance. À quoi lui servait le droit de naissance? Hein? <coughs> Hébreu 12, c'est là qu'on voit « ou profane comme Esaü okay? ». C'est un profane, Dieu l'appelle profane. « Qui pour un seul mai vendit son droit de premier-né <coughs> ». Continue, Genèse 26, là vais pris Genèse 25, 26, je vais les prendre, mais ils ne sont pas nécessairement, plus tard j'en prends d'autres, ils ne sont pas nécessairement en ordre, mais ici je les prends un peu en ordre, ok? Parce que je veux que vous voyez le caractère, okay? le libre choix que eu va faire, tu vois? Encore, on arrive, Gen Genèse 26, 34, pour ceux qui écoutent euh, en, en voiture peut-être, je vais toujours essayer de vous donner les versets. Et Esaü était âgé de 40 ans. OK? Là, il est rendu à 40 ans. On l'a vu à, à sa naissance. Puis plus tard, il a méprisé son droit d'aînesse. Dieu l'a appelé profane. Maintenant, il est rendu à 40 ans. Maintenant, il se marie. et prit pour femme Judith, fille de Bé et et le Étienne. Et Bachmat, longs le Étienne. Alors maintenant, il prend deux épouses. Okay? C'est un choix qu'il fait. Là. Il prend deux épouses. Mais ce choix-là, il, il est ce qui est approuvé par ses parents. Souvent, si je m'adresse aux jeunes ici, c'est important. Là, vos parents, ce n'est pas des fous. Okay? C'est des gens qui connaissent la vie un peu plus que vous, des fois. Okay? Alors, voici. Ce que Esaü a fait, il a pris une décision, mais on voit comment ceci était Genèse 26, 35. Et ils furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Alors, est-ce qu'ils ont approuvé? Non, ils n'ont pas approuvé. Est-ce qu'ils l'ont accepté? Oui, ils l'ont accepté. Mais Ésaü a fait selon sa propre volonté, n'a pas pris de conseil, n'a pas pris de remarques, n'a pas. Pris aucun égard à ce que l'expérience que ses parents pouvaient avoir. Faites attention, bien-aimés. On est jeune, on fait des choix. OK? Là, je ne parle pas des choix de mariage. Là. Je parle des choix d'accepter de le Seigneur ou rejeter le Seigneur. OK? Important. Est 27, 1. Il arriva lorsqu'Isaac fut vieux. Et que ses yeux furent affaiblis de manière à ne plus voir. Maintenant, Isaac, là, il est rendu pas mal âgé. Euh, il est rendu très vieux maintenant, tu vois? Genèse 27, 41. Et Esaü eut Jacob en Inde. <coughs> OK? On sait qu'Ésaü a haï Jacob hein, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Maintenant, c'est une autre étape, C'est que Isaac, âgé, rendu vieux, il était affaibli dans sa vision. Il a il a, il a mélangé les enfants, mais c'était voulu, c'était voulu de Dieu, pour ainsi dire. Et puis, la bénédiction est allée à Jacob et non pas à Ésaü. Okay? Alors, on voit ici qu'Ésaü est en haine, eu Jacob en haine, il l'a okay? À cause de la bénédiction, son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, là, on va dans le cœur. On va dans le cœur maintenant. Les jours du deuil de mon père approchent. Je tuerai Jacob, mon frère. Il n'y a personne qui a vu ça, là. C'était dans le cœur. Mais Dieu voit le cœur. voyez vous, Dieu voit le cœur. Dieu voit les choix qu'on fait. Les gens ne le voient pas, mais Dieu voit ton choix que tu fais. Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus? Ou dans ton cœur, tu dis non, je ne veux rien savoir, je veux continuer ma vie à moi? Okay? Alors, voici le choix qu'il a fait. Alors, il a dit ceci, au jour du deuil de mon père approche, donc il était très âgé. Isaac était très âgé. Je tuerai Jacob, mon frère. Imaginez-vous là, mon frère. Je tuerai Jacob, mon jumeau en plus. Genèse 35, 28, on lit ceci. Et les jours d'Isaac furent de 120, 180 ans. Alors, Isaac y a 180 ans à un moment donné. Et puis les jumeaux, à Genèse 27, 41, là, quand il dit Je tuerai Jacob, mon frère là, les jumeaux étaient rendus à peu près plus ou moins 120 ans. Okay? À 120 ans. Alors, à 120 ans, la vie, la vie d'Ésaü maintenant est avancée, mais cette âne-là, je tuerai Jacob, mon frère. Genèse 32, verset 6. Maintenant, ce qui arrive, c'est que Jacob doit s'enfuir. À cause de ceci, Jacob s'enfuit et, et il s'en va dans, chez Laban. Et puis là, chez Laban, il va travailler une semaine, une autre semaine. Et puis finalement, il va travailler 21 ans. En passant, une semaine, c'est 7 ans. Hmm? Alors, quand on parle dans Daniel 9 d'une semaine, on parle des semaines d'années. Hein, Lorsqu'il va avoir un contrat signé pour, pour une semaine, ça va être sept ans. On apprend ça de Jacob. Hein? Il a travaillé sept ans pour sa première femme, il a travaillé sept ans pour sa deuxième femme, il a travaillé un autre sept ans pour le troupeau et les richesses. Okay? Mais là, ici, là, il s'en vient. Il s'en vient avec ses deux femmes, il s'en vient avec ses enfants, il s'en vient avec son troupeau hein? après 21 ans. Hein? Et les messagers vinrent à Jacob. Genèse 6. Et les messagers revinrent vers Jacob, disant. « Nous sommes allés vers ton frère, vers Esaü, et même, il vient à ta rencontre. » Et puis, en plus de ça, il y a 400 hommes avec lui. Hé, hey, 400 hommes, c'est une armée, hein? Alors, Jacob, là, il a peur, il a peur. Puis là, Jacob, il... lui, c'est un gars qui a beaucoup d'idées, <laughs> beaucoup d'idées. Euh, il essaie. Alors là, il va essayer d'apaiser son frère Esaü. Il sait qu'Esaü veut le tuer. Alors, alors Jacob, c'est-à-dire qu'Ésaü, naturellement, son intention, c'était de se venger et de tuer son jumeau, Jacob. Alors, c'est Isaïe qui s'en vient avec 400 hommes. Une armée. Hein? Genèse 32, 20. Alors, et vous direz aussi, voici ton serviteur, alors Dieu qui. pas Dieu, mais c'est Jacob qui. Et qui parle ici, Et vous direz aussi, « Voici ton serviteur, Jacob, vient après nous. » Alors, il a envoyé des messagers. Là, les messagers ont rencontré Esaü. Puis, on dit, « Esaü, ton frère, ton jumeau, là, ton frère s'en vient. Là, puis, il t'envoie des cadeaux. » Car il disait, c'est-à-dire Jacob, il disait, « Je l'apaiserai par le présent qui va devant moi. Et après cela, je verrai sa face. Peut-être qu'il m'accueillera favorablement. » Ça, naturellement, c'est Jacques qui passe devant, tu vois. <laughs> qui passe de même. Il va envoyer des cadeaux, alors, il va envoyer un troupeau, un autre troupeau, il va envoyer, il va montrer un enfant, un autre enfant, puis un autre enfant. Puis... Tout ça pour être favorable aux yeux des ayus, espérant que la colère d'Ésaü va, va baisser un peu. Genèse 37. OK, là maintenant, on s'en va dans. Qu'est-ce qui est arrivé? Je reviens ici, là. OK, espérant que ça sera favorable. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, qu'est-ce qui est vraiment arrivé ici? C'est que Ésaü n'a pas. Hmm. C'est pas les présents qui ont, qui ont calmé Esaü, c'est plutôt Dieu. Tu vois? Dieu a, Dieu a arrêté Esaü. De vouloir tuer son frère, il l'a tout simplement calmé. Ce n'est pas les présents, ce n'est pas les manœuvres que, que Jacob a fait ici qui vont changer euh, Esaü. C'est Dieu qui dit hey, reste tranquille pour le moment. Tu vois? Alors, ça, on est rendu là. Maintenant, on s'en va ici dans Genèse 36, OK? La progéniture d'Ésaü qui est Edom. Alors là, Ici, on voit qu'Ésaü, on, on va regarder maintenant les enfants qui sont nés, les générations qui sont nées d'Ésaü. On a Amalek, Genèse 36, 12. ou Amalek. Amalekit. Amalekit. Agag, 1 Samuel 15, 8. Aman, Esther 3, 1. Dog, 1 Samuel 22, 9. Et finalement, lorsqu'on arrive dans, dans le Nouveau Testament, on a Hérode, Matthieu 2, verset 7. « L'Idoméen, fils d'Anna-Pater. Okay? » Alors, Hérode était de descendance d'Ésaü. De okay? On voit tout le dommage ça le fait, hein? que ce soit dans Esther, que ce soit dans Samuel, que ce soit dans Matthieu, hein? Hérode qui voulait tuer tous les petits-enfants. Hein? Alors, ici, on voit la, on voit la semence qu'Ésaü a laissée, pour ainsi dire. Cette haine-là, hein, elle n'a jamais changé. Si on peut comprendre que Dieu a en dédain les Édomites. OK Nom 20, verset 21. Là, on s'en va dans Nombres, Si vous vous rappelez, là, Israël, a... Israël est parti de l'Égypte, ils veulent aller dans la terre promise, Canaan. Puis là, il y a un raccourci. S'ils peut... passent par Édom, ils il prennent un raccourci, puis ils arrivent beaucoup plus vite, puis ils sauvent beaucoup d'ouvrages, beaucoup de marches, beaucoup beaucoup de campagnes dans le désert, pour ainsi dire. Hein? Mais là, ils arrivent à Édom, son jumeau, hein? Jacob, son jumeau. Édom son jumeau, ce qui arrive là, Édom refusa de le laisser passer Israël par ses limites et Israël se détourna d'auprès de lui. Okay? Après ça, Moab fait pareil. Après ça, il arrive à Amon, les ammonites, puis les ammonites font pareil. Puis là, Dieu dit, ben, oui, détruire, attaquer les ammonites, tu vois. Mais il ne l'a pas dit pour les Édomites, tu vois. Il l'a pas dit pour les Édomites. Et Dieu a simplement dit, détournez-vous, continuez votre chemin. Hum? On voit la compassion que Dieu avait pour Édom ici. Il aurait pu le juger. Il aurait pu le juger. Combien de fois il aurait pu le juger? Combien de fois il a essayé de parler à son cœur, à hein? sa conscience, pour ainsi dire. Juge 11, 17, on lit ceci. Et en Israël envoya des messagers au roi d'Édom. On voit maintenant qu'Édom est... <coughs> Est rendu maintenant une, une puissance. Édom a des rois maintenant. Israël sont encore dans le désert, les autres. Ils n'ont même pas de rois. Encore David, il n'est même pas arrivé. Puis Saül n'est même pas arrivé. Alors, on voit qu'Édom est devenu une nation. Okay? Ils habitent maintenant une place. Puis ils ont des rois. Le roi, le roi d'Édom, disant Laisse passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'écoutait pas. Alors, on voit qu'Ésaü n'a pas écouté pour le laisser passer. Hmm? C'est. C'est nombre 20 puis juge 11. Okay? On continue. On arrive dans Deutéronome 2, verset 22. Deutéronome raconte un peu l'histoire, en raccourci pour ainsi dire, mais on lit ceci. Comme il fit pour les fils d'Ésaü qui habitent en Saïr, lorsqu'il détruisit les Oriens devant eux et qu'ils la dépossédèrent, et ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Alors, les fils des donc okay? les Édomites. Les Édomites ont pris possession d'un pays qui appartenait aux Oriens. Maintenant, les Oriens habitaient sur des montagnes. On va le voir tantôt, j'allais voir là. Séir, c'était la grosse montagne, pour ainsi dire. Alors, les Oriens étaient en sécurité là, mais, mais les Édomites les ont attaqués, ils les ont dépossédés. Puis ils ont, ils ont quitté, ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Okay? Dans Deutéronome 2, verset 22. Alors, ils ont pris, ils ont conquéri les Oriens. Okay? Puis on va voir où ils habitent dans quelques moments. On va voir pourquoi. Alors, ils ont convoité, okay? maintenant on leur convoitise. Ils ont convoité le territoire des Oriens. C'était un territoire assez important dans les hautes montagnes, beaucoup de protection. Donc, les fils d'Ésaü, les Édomites, ont pris possession. Ils ont, finalement, ils ont pris possession de ce pays. Alors, voici ici, là, on, voit, là, on voit ici là, cette possession qu'ils ont prise. Okay? Ici, c'est vraiment ici là, où les, la montagne qu'ils ont prise, les, ou plutôt les montagnes qu'ils ont prises. Maintenant, c'est un territoire très haut. Très élevé, c'était des montagnes, mais c'est des montagnes, en anglais, on dit limestone, un peu comme de la craie, hein, qui n'est qui pas solide. Alors, on peut tailler là-dedans. Alors, leur maison, leur refuge, comme on peut voir, était un peu partout dans les montagnes. Okay? Et tu parles d'une place, ça. Quel, ils ne vivaient pas dans les tentes, les autres, ils vivaient dans des montagnes, mais ce n'est pas juste des petites montagnes. Ce n'est pas juste des petites maisons qu'ils avaient. J'allais voir, regardez ici. Ils ont, ils ont presque des palais, ils ont des salles de réception, ils sont dans des résidences là-dedans. Ce n'est pas, pas une tente dans le bois, c'est pas une tente dans le bois. Okay? Alors, il était très bien positionné, premièrement, très haut, puis dans une sécurité presque absolue, pour ainsi dire. Okay? Alors, ici, on voit Édumé, okay? <coughs> parce que j'ai mentionné que euh, Hérode était de Udumé, alors, Édoumé, c'est ça ici, c'est Edom, c'est cette région-là ici, voyez-vous, Jérusalem, Jérusalem est là, tout au sud de Jérusalem, ici, là, on a Édumé. OK? Alors, c'est ça, c'est là qu'ils étaient installés en très bonne sécurité. Maintenant, regardez ici les montagnes, c'est des montagnes, des très hautes montagnes, mais souvent, des parois sont très étroites, OK? C'est un accès étroit. Tu ne pouvais pas passer par un, un, un chemin là, très large. Des fois, il fallait que tu passes par des endroits très étroits pour atteindre le haut des montagnes où étaient les Édomites. Maintenant, il était dit que c'était tellement étroit que qu'il fallait débarquer du chameau pour passer à certains endroits. D'autres mots, tes jambes y seraient écrasées. Donc, tu débarquais du chameau, tu passais toi, puis tu faisais passer ton chameau. Tu t'assurais qu'il n'y avait pas trop de bagages sur ton chameau, sinon tu le portais toi-même. Alors, c'était facile pour les Édomites d'attendre les gens de l'autre côté, parce que les gens passaient un par un, pour ainsi dire. Alors, quelle place, hein? quelle place ils avaient. Ils étaient sages. Hein? Ils s'étaient réfugiés dans des hautes montagnes, comme un aigle, hein? haut sur le sommet. Mais Dieu vous dit, je te ferai descendre. Vous allez voir, lorsqu'on va prendre la diaspora, je te ferai descendre hein, de ton lieu. Alors ici, on voit les montagnes des Dômes. n'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Pas facile d'accès, mais quel lieu de sécurité. OK. Une autre convoitise des Dômes. <laughs> Maintenant, on arrive à une autre convoitise, Ézéchiel 35, 10. Parce que tu as dit les deux nations et les deux pays seront en moi. Et nous les posséderons, et l'Éternel y était. Voilà, je me sers ici de ça. C'est important de réaliser que l'Éternel y était. Les deux nations que Édom a convoitées, les deux pays que Édom a convoité, c'est le royaume du nord qui est Israël, et puis c'est le royaume du sud qui est Judas puis Benjamin lorsqu'il y a eu la grande séparation. Hein? Alors, on voit ici là, une, quelque chose de caché dans la pensée d'Edom, c'est de prendre, de, de prendre les deux pays, mais il n'a pas réalisé qu'en voulant prendre les deux pays, l'Éternel y était. Okay? L'Éternel y était. Édom voulait conquérir Juda et Israël. Okay, c'est ça que je viens de dire. Maintenant, Ézéchiel 35,5. Parce que tu as eu une inimitié perpétuelle. Une inimitié perpétuelle. Ça, c'est le choix qu'il a fait. Là. Une inimitié perpétuelle. Et que tu as livré les fils d'Israël à la puissance de l'épée, au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité de la faim. Je mets de l'emphase ici, là, au temps de l'iniquité de la faim. OK? Maintenant, je ne sais pas si je l'ai mis ici, là, je pense. Non, on va aller plutôt ici, pour l'iniquité de la fin. Alors, ici, on est rendu à la fin, OK? C'est que, que pour réaliser que les Édomites, au jour, de, au jour que Nébuchadnezzar a attaqué Jérusalem, les, ina, les, les Édomites ont dit Garde ici, là, il y a un trou dans le mur, garde ici, il y a une faille dans le mur, passez-le, là, passez-le. Là. Alors, ils ont aidé, ils ont aidé Nebuchadnezzar. Okay? Puis, puis, lorsque Nebuchadnezzar était, était, était victorieux, ils ont pris les enfants puis ont vendu les enfants. Okay? Les Édomites ont pris les enfants, puis ils ont vendu. Ils ont vendu les fils d'Israël. Okay? Ils ont livré les fils d'Israël à la puissance de l'épée. Okay? Lorsqu'ils ont montré comment rentrer dans la ville. Okay? Puis, au temps de leur calamité, Mais ça, c'est arrivé, ça. Mais ici, on voit quelque chose de nouveau. Au temps de l'iniquité de la fin. Donc, il va falloir faire ici un saut prophétique, bien-aimé. On va regarder à la fin. Les Édomites, on pense qu'ils sont enterrés, on pense qu'ils qu n'existent plus, parce que Dieu a dit qu'ils seraient une désolation. C'est vrai, ils ont été une désolation, mais ils vont reprendre vie. Comme les autres nations reprennent vie, les Édomites vont reprendre vie. Ils sont cachés maintenant, on sait pas où ils sont. Ils sont cachés partout, partout dans, dans toutes ces nations qui sont autour d'Israël, ils sont là. Okay, on ne sait pas quelle. C'est comme les dix bien-aimés. Les dix tribus sont dispersées, mais sont encore là. Eh bien, les édomites sont quelque part. On ne sait pas. Dieu va les siffler, comme il va siffler les dix tribus à un moment donné, puis ils vont ressortir. Okay? Alors, au temps de l'iniquité de la fin. Alors, il y a un effet historique, c'est arrivé, oui. Leur, leur mépris, leur inimitié perpétuelle s'est démontré. En aidant le canadien, puis en tapant des mains, puis en disant Ha 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 ha, ha" on est content. Ça, c'était leur inimitié perpétuelle. Mais au temps de la fin, ils vont encore être plus terribles. Vous allez voir. Ils vont. Vous allez voir. Au temps de la fin, ils vont apparaître de nouveau. Maintenant, ici, là, j'ai quelque chose d'assez spécial. Hein? Parce qu'il y a un. Il y a un psaume, le psaume 137, je pense que je ne l'ai peut-être pas marqué si je ne sais pas pourquoi, là, mais le psaume 137. Hein? Chante-nous un cantique. Hein? Chante-nous un cantique. Et le, je vais le lire. Okay? Je prends le temps de le lire. Là. Psaume 137. Et regardez bien l'entête le, du psaume. Là. Auprès du fleuve de Babylone. Là, nous étions assis, et nous avons pleuré. Quand nous nous sommes souvenus de Sion, au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos arcs, car ils nous avaient emmenés en captivité. Alors, c'est Babylone qui les a emmenés en captivité, nous demanda des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Comment chanterions-nous un cantique sur l'éternel, sur un sol étranger. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça. Comment chanterions-nous un cantique lorsque nous sommes dans un pays étranger? Alors, les Babyloniens leur demandaient de chanter, tu vois, mais ils ne pouvaient pas chanter. Ils étaient loin. Hein? Ils étaient loin. Alors, on continue. Alors, c'est ça, psaume 137, 1. Auprès des fleuves de Babylone, là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Hein? Et puis là, je donne le lien si vous voulez. OK, ça, c'est le psaume 137. Maintenant, on s'en va au psaume 137, verset 7. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom. Qui dans la journée de Jérusalem, lorsque, le, lorsque Babylone a été pris par Nébuchadnezzar, dans la journée de Jérusalem, une journée inoubliable, une journée mémorable. Hein? Et puis qu'est-ce que les fils des dômes ont dit Rasé, rasé jusqu'à ses fondements. Détruisé, hein? détruisé jusqu'à ses fondements. Alors, voici maintenant un autre, un autre choix d'Édom. Hein? Un mépris continuel. Okay? Alors, comme je disais historiquement, sous la prise de Jérusalem par Babylone, c'est ça qu'ils ont dit eux. Mais maintenant, il faut faire ce saut prophétique-là. Hein? Alors, il va réapparaître, dans le futur, il va réapparaître Édom, l'art d'iniquité de la fin. C'est ça que je viens de lire dans Ézéchiel 35. Donc, attendez-vous dans la prophétie. Avoir les édomites revenir. Hein? Puis ils vont dire, raser, raser. Hein? Ils vont dire ça. Psaume 83, 4. C'est une autre étape maintenant. Le psaume 83, on voit là qu'il y a une confédération de dix nations. Okay? Ils ont dit, venez et exterminons-les, c'est-à-dire Israël, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Alors voici la haine maintenant des dix nations autour. C'est des nations avoisinantes. Hein? On veut pousser Israël jusqu'à la mer Méditerranée. On veut pousser et anéantir à jamais Israël. Alors cette confédération de dix nations, elle est au nord-est de Jérusalem. Okay? les pays avoisinants qui veulent détruire Israël. Alors l'important, c'est de voir c'est qui le leader. Le leader, le leader ou celui qui est à qui est en, en commande, pour ainsi dire, ou qui est insti, l'instigateur. Bien-aimé, bien vous allez voir, le premier en ligne n'est nul autre qu'Édom, qui soudainement réapparaît dans sa haine perpétuelle. Regardez bien. Psaume 83, 6. Les tentes d'Édom. Je vais vous mentionner les dix maintenant. Les tentes d'Édom. C'est Édom qui est le premier. Alors, c'est Édom qui semble être celui qui dirige ici. Après ça, on voit les, les Ismaélites, Moab, les Agar, Agarénéens. Ensuite, on voit Gebal, Amon, Amalek, il y a même lignée. Philistie et Tire. Finalement, au verset 83, verset 8, As Assur, qui est pour l'Assyrien, vieux, vieux terme pour l'Assyrien, aussi s'est joint à eux. Alors, au temps de la fin, on va voir apparaître l'Assyrien. OK? Mais l'Assyrien est joint maintenant, c'est joint maintenant à ces dix-là. Donc, l'initiateur est Edom. Okay, dans sa haine contre Israël. Alors, c'est ça qu'on doit s'attendre à la fin, au temps de la fin de l'iniquité. Au temps de la fin. Okay? Alors, après avoir parcouru maintenant, on a parcouru la vie de rébellion contre Dieu et sa haine insatiable contre le peuple de Dieu. Maintenant. On peut comprendre l'élection de Dieu. Et ça, avant que les enfants fussent nés et qu'ils n'eussent rien fait de bon ou de mauvais. On va rappeler de ça, là? Les enfants sont même pas nés, puis Dieu dit, ils n'ont rien fait de mal, puis ils n'ont rien fait de bien, mais j'ai choisi Jacob. Okay? C'est ça qu'on appelle l'élection de Dieu. Maintenant, on vient de parcourir toute la vie, toute la vie d'Ésaü, de, de hein? toutes les... Tricherie qui a fait toute la haine, la, la haine perpétuelle, insatiable, qui, qui ne peut pas être. On ne peut pas donner. Euh, elle continue, elle a toujours soif, cette haine-là, contre le peuple de Dieu. C'est ça qu'on a vu. Alors maintenant, on peut comprendre l'élection de Dieu. Hein? On regarde la vie des Édomites, on comprend l'élection de Dieu. On comprend que Dieu ait dit. Dans le ventre, avant que les enfants n'eussent rien fait de bien de mal, le plus grand sera servi au plus petit. Voyez-vous, là, vous avez l'élection de Dieu, une voix pleurée, puis vous avez le choix. Hein? Jamais ils se mélangent, ces deux-là. Mais ils vont ensemble, toujours ensemble. Hein? Et puis l'homme est toujours responsable devant Dieu, toujours responsable de Dieu. Alors, c'est seulement après un tel parcours qu'on peut donner raison à Dieu. Là, on, on va aller dans Malachie, là, le dernier livre. Okay? Okay? L'Éternel, on, on arrive là, au dernier à peu près à 400 ans avant que le Messie vienne sur la Terre. Là. Le dernier livre est écrit qui est le livre de Malachie. Le dernier livre de la Bible, du, de l'Ancien Testament, okay, pour ainsi dire. Maintenant, c'est le temps de donner raison à Dieu. Regardez bien ceci. Malachie 1, verset 3 Et j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü, et j'ai fait de ses montagnes une désolation, et j'ai livré son héritage au chacal du désert. J'ai aimé Jacob, oui. J'ai haï Esaü à la fin de sa vie. Okay. Dieu ne prédestine pas, bien aimé Dieu ne prédestine pas personne à la perdition. C'est un Dieu d'amour qu'on a. C'est impossible. C'est un Dieu d'amour. Dieu a aimé le monde. Alors, c'est un Dieu d'amour. Il n'y a pas de prédestination à la perdition. Il n'y en a pas. C'est faux, ça. Je sais que Luther, c'est Luther ou Calvin, les Calvinistes enseignent. Que Dieu prédestine au bien et au mal. Non, avant que les enfants soient nés, avant qu'ils aient fait du bien et du mal, Dieu avait choisi Jacob. Puis Dieu n'avait pas prédestiné Dieu n'avait pas prédestiné à Ésaü d'être jugé comme ça. C'est le choix d'Ésaü tout le long de sa vie qui a fait ceci, tu vois. Alors Dieu, c'est impossible, Dieu ne prédestine pas, on ne voit pas ça dans les Écritures, la prédestination au malheur. Dieu est amour, Dieu veut juste faire le bien. Mais l'homme, dans son choix, alors tu as l'élection de Dieu, puis tu as le choix de l'homme. Hein? Puis, puis l'homme, naturellement, ici on voit que Dieu peut dire, j'ai haï Esaü. Est-ce que vous comprenez pourquoi? On a vu toute la vie, là, on a vu toute la vie. C'est seulement rendu ici à la fin. Là, on est loin après Esaü, là, mais on a toutes les générations d'Ésaü qui ont passé. Puis Dieu peut dire, ça n'a pas changé. J'ai haï Esaü. J'ai haï Esaü. Alors, ce, ce verset-là est réservé à la fin, à la toute fin de l'Ancien Testament. Puis on se doit de justifier Dieu. Dieu n'est pas injuste dans l'élection, bien-aimé. Il est toujours parfait dans son élection. Alors, Ézéchiel 35-12, Et tu seras comme moi l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, disant, elles sont désolées, elles nous sont données pour les dévorer. Alors, c'est ça. J Alors Dieu a entendu tous les outrages proférés. Hein? Dieu a entendu tout ce que les Héramites ont fait. Et puis Dieu dit maintenant... Ils vont être désolés. Hein? Et elles seront données. Hein? Elles seront données pour les dévorer. Alors, Édom va être désolé, une désolation perpétuelle. Aucun des Édomites va être sauvé. Ézéchiel 35-15, Comme tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été désolé, j'en ferai demain avec toi. Tu seras une montagne, tu seras une désolation, montagne de séir. Et Edem tout entier, ils le seront, que je suis l'éternel. Hein? Je suis l'éternel. Je pense qu'on a fini ici. Oui, on a fini là. Je suis l'éternel. Alors, bien aimé, c'était le parcours. Okay? On a commencé avec, pour démontrer l'élection, Dieu a choisi dès le commencement, dès le ventre. Alors, ses enfants n'avaient fait ni mal, ni bien, Dieu avait choisi avait choisi Jacob, le plus petit, le plus grand sera servi au plus petit. Maintenant, on voit les choix. On, on a regardé toute la vie d'Ésaü, de, de, de toute la vie d'Ésaü, puis sa descendance. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit de la haine perpétuelle contre le peuple de Dieu. Hein? Et puis Dieu dit maintenant que cette nation-là va disparaître. Mais on va voir dans... Abdias, que cette nation-là doit reprendre vie pour recevoir finalement ce jugement-là. Ils vont être éclipsés, pour ainsi dire, à jamais de la terre. Il ne va y avoir aucun reste, aucun résidu. Les autres nations, comme j'ai démontré dans la vidéo précédente, les autres nations vont avoir des résidus, mais les édomites n'auront aucun résidu. Alors, j'espère que ceci vous aide à comprendre un peu. Et puis maintenant, là, je pense que j'ai donné beaucoup de pensées arrière-plan, j'ai euh, mis beaucoup, beaucoup d'informations. Maintenant, on s'en va dans le prophète Adias. On va le prendre, on va regarder les versets, mais avec la compréhension que vous avez acquise avec les quatre dernières vidéos et le cinquième ici, vous allez être, vous allez être capable maintenant de comprendre Adias, le prophète. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Passer des bons moments, puis on se revient avec Adias, chapitre 1, verset 1. Je te ferai descendre de la montagne. Hmm? OK, je vous laisse passer des bons moments. À bientôt.